Bonjour, vous cherchez à créer des contenus de qualité, mais vous manquez d'inspiration et de temps. Ne cherchez pas plus loin. Cette vidéo va vous apporter la solution en vous proposant une application simple qui va vous permettre, grâce à ChatGPT, d'enrichir votre contenu par des documents textuels ou par des images. Mais avant de commencer, je vous invite à gentiment à cliquer sur le bouton s'abonner et à activer la cloche afin de recevoir les notifications. Afin de profiter des avantages proposés par ChatGPT, nous allons installer un complément d'application qui va être ajouté à Word. Pour faire cette installation, nous allons cliquer sur complément. Bien sûr, il y a plusieurs compléments que vous pouvez ajouter. Vous pouvez ajouter par exemple ChatGPT pour Word et Excel. Ça va vous donner une utilisation assez restreinte. On peut aussi ajouter cette extension qui s'appelle Autopilote. Une fois que je vais l'ajouter, bien sûr, j'aurai une petite interface qui va me permettre de travailler d'une manière gratuite. Donc, j'ai déjà préparé un prompt. Au niveau de ce prompt, j'ai demandé à ChatGPT de me préparer le plan d'un cours de macroéconomie qui comporte quatre chapitres. Au niveau de ce prompt, je vais donner l'instruction à l'application. L'application va me permettre d'avoir le plan du cours que je vais l'installer directement, bien que je vais l'ajouter directement au niveau de mon document Word en cliquant sur ce bouton. Donc là, vous avez déjà le contenu ou bien le plan proposé. Bien sûr, il faut vérifier le plan proposé par ChatGPT avec ce que vous allez assurer comme cours. Mais supposons que ça, c'est le plan souhaité. Au niveau de chaque partie, je vais demander à ChatGPT de me donner les éléments de cours. Par exemple, là, je souhaite avoir la définition de la macroéconomie. Donc, je vais donner un prompt pour que ChatGPT rédige la définition de la macroéconomie. Donc là, je vais me donner, par exemple, donc tu dois me donner la définition de macroéconomie. Bien sûr, ce prompt va me donner par la suite la définition que je peux l'insérer directement au niveau de cet emplacement. Et au fur et à mesure, par exemple, là, si je souhaite avoir les objectifs et méthodes de la macroéconomie, de la même façon, je vais ordonner à ChatGPT de faire la même chose. Donc, je vais lui demander de me donner les objectifs et les méthodes de la macroéconomie. Il va faire quelques recherches et il va me générer le document textuel que je vais l'insérer directement au niveau de mon document. Bien sûr, il faut toujours vérifier le contenu proposé par ChatGPT et de le compléter par ce que vous avez comme contenu scientifique. Voilà, ça c'est l'objet de cette vidéo. Je reste à votre disposition si vous avez des questions. N'hésitez jamais à commenter la vidéo. Merci.